Et bonsoir tout le monde, c'est Picti et bienvenue pour... Alors je sais déjà plus, on en est au combien épisode, je dirais le cinquième épisode sur The Witness, c'est soit le cinquième soit le sixième. Donc je pense que c'est le cinquième, et dans le dernier épisode on s'était arrêté ici, on avait découvert enfin la mécanique des blocs de Tetris, donc les blocs jaunes, et on avait résolu ce problème. On l'est pas résolu? Pourquoi ça s'est éteint? Si on l'avait résolu, mais pourquoi ça marche pas? On va réessayer. Ça a l'air d'être ça, mais le câble ne marcha pas. Alors peut-être qu'il faut faire autre chose ailleurs pour que ça marche, je ne sais pas. Dans tous les cas, maintenant qu'on sait comment fonctionnent les blocs Tetris, on va pouvoir se débloquer ailleurs. Donc allons-y. Allons-y, allons-y, j'essaie de bien replacer le micro. Allons-y, mais où allons-nous? C'est ça la question aussi. Alors. Ça, c'est pas débloqué. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs dans les arbres en haut, ça a l'air vraiment cool. Bon bah là rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Allons dans le village, voir si on peut faire des nouveaux trucs. Peut-être que dans ce village, maintenant qu'on en connaît la mécanique des blocs de Tetris, on va pouvoir se débloquer. Peut-être. Je ne sais pas. Alors là, il y a les panneaux. D'ailleurs, je suis passé en 30 FPS pour ceux qui se demandent. Je suis passé en 30 FPS pour que ce soit plus fluide pour vous, parce que des fois, ce n'était pas très fluide. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse ici, par contre. C'est assez curieux, ça. Hein. Cette espèce de... Le mécanisme de poulie là, je ne sais pas. Dis-moi que ça marche. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et toi, est-ce que tu marches? Ah. Là, il y a un écran orange. Bon, la ville en construction, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à... Ah, si. Oula! Là là, c'est-à-dire que là nous avons un bloc. Ça ne marche pas. Alors le fait qu'il soit de travers, c'est assez intriguant du coup. Ça a l'air d'être une suite en plus. Le fait qu'il soit de travers. Chemin de travers! Ta gueule, Harry, ta gueule. Chemin de travers, oui, Harry Potter, c'est bien. Mais dites-moi, vous êtes Harry Potter? Non. Ah, mais il faut manger les petits... Les petites bouboules aussi? What the fucking hell, dude? Attendez, ça avait l'air d'être vraiment bizarre, là, ce qu'il faut faire. Comment je pourrais essayer de choper tous les trucs en faisant un machin comme ça? Je suis obligé de faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais après, y a-t-il moyen quelconque? J'ai pas l'impression. Essayons un truc genre du style... Ça? Non, maintenant ça ne marche pas. Ah bah non, hein! Le fait qu'il soit de travers, c'est assez bizarre. Bon, je ne sais pas. Le fait qu'il soit de travers, je ne le comprends pas en fait. Ah, peut-être ça veut rien dire et juste de travers histoire de mettre le doute. Hein. C'est bien possible. En tous les cas, je ne sais pas.
Retournons dans ce moulin. Oui, bon. Retournons en bas de ce moulin. Je sais qu'il y avait des trucs et maintenant, je pense pouvoir les résoudre. Je sais qu'il y avait plein de trucs en bas de ce moulin. On aurait cru même une salle de studio. Alors là, c'était Black, eh ? Ça, j'avais réussi à le résoudre. Ah oui, et ce truc-là ? Attendez, mes dessins. Je peux les faire maintenant ou pas ? Alors, un qui commence du milieu. J'en ai un dessin qui commence du milieu. Faire tac, tac. Tac, 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 tac. Ce qui nous amène à ce truc. Oh, bonjour. Putain, ça m'a failli me faire peur. Hein. D'accord. Bonjour. Know yourself as the open, empty, luminous presence of awareness. J'aime bien les gens qui toussent. Ouais. Excuse-nous. Open. Because you say yes unconditionally and indiscriminately to all appearances of the mind, body and world. Ouais. Empty space. You have no mechanism inherent within you that can resist any appearance. We don't have to make this the case, it is already. Putain, mais le son est en plus trop bien fait, quoi. C'est ça qui est dingue. Oh lol. Bonjour. Bonjour. Because. Ça, je ne sais pas. Aware presence is aware of thoughts, sensations, and perceptions. It is not made out of a thought, a sensation, or a perception. It is made out of pure knowing or awareness. Thank you. And luminous. Ah. Because just like the sun, relatively speaking, that renders all objects seeable, so you, I, this open, empty presence renders all experience knowable. In fact, we don't really see objects, relatively speaking, illumined by the sun. We just see reflections or modulations of the sun's light appearing as a multiplicity and diversity of color. In the same way, we don't really know the objects of the mind, body, and the world. We just know our knowing of them. All we know, all that is known, is the knowing of experience. And you are that knowing. C'est terminé quoi, monsieur?
Tu l'es. All that is ever known. Putain de bordel de merde, tu vas t'arrêter. Modulation of our own knowing. J'aime bien que le son est bien foutu. Modulating itself in the form of thinking, sensing and perceiving and seeming to become a mind, a body and a world. But we never actually know a mind, a body and a world as they are normally conceived. We just know our knowing of them. And this knowing, the substance of our experience, the only substance. En train de me dire que quand ça se sera terminé, il aura fini de parler là? Parce qu'on est bien d'accord qu'avant il était là, après là, maintenant il est là. Il réduit au fil du temps. Hein. Peut-être qu'il faut faire tous les trucs avant qu'il ait terminé de parler, je ne sais pas. Bon, moi j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, hein. Désolé monsieur, mais voilà. Bon alors. Putain, mais comment je suis censé faire ce truc là de ouf? Ça, je connais pas. Moi, les blocs de Tetris, je connais, mais je vois pas comment je peux faire. Il a fini de parler. Ok. Il a pas fini. Il termine jamais de parler. J'en peux plus. Bien sûr que ça ne marche pas. J'en ai trois. Comment je pourrais faire? Non, je vois pas. Bon, bon, au revoir, hein. Ah ouais. Et attends, on va bien vers... Ah, le machin, il réduit. Bon, on a pas que ça à foutre. Je suis désolé, monsieur, mais voilà. Je suis sûr que ce que vous dites est très intéressant. Et nous, on va faire des énigmes. Voilà, nous, on va faire des casse-têtes. Bon, on a au moins réussi à résoudre quelque chose. Grâce au petit dessin que nous avons obtenu. Alors. Oh, le moulin il tourne. C'est bien ça. C'est bien ça. On va par où maintenant? Non, on l'entend. On l'entend parler! On l'entend parler d'ici! Mais c'est infini! Oh, c'est quoi ça? Ouais. Mais comment vous... Mais je connais pas ces trucs-là, moi! Vous êtes fous, monsieur! Ah, là, il y a l'air d'avoir des trucs. Vite! Allons-y! Ah mais d'ailleurs maintenant qu'on connaît les blocs de Tetris, on peut essayer de faire le château, la suite du château. Je crois que la suite du château c'était des blocs de Tetris. Hein.
Nanana. Bonjour. C'était où la suite déjà? Bonjour. C'était pas ça. Ah si, ça doit être ça. Oh putain, alors comment on va la faire? Alors, on commence de... Alors, il fait 1, 2, 3. Et tac, après... Ok, donc il faut qu'on fasse un de plus, et deux en haut. Ah mais je suis bloqué là, connard. Il me bloque cet enfoiré. Comment je fais, moi? Hein? Comment je fais, moi? Ah bah, je vais passer là. Et là. Et là. Oui! Je nique le système! Oh! Ah bon, on arrive ici où j'ai galéré à mort. Est-ce que le fait d'ouvrir cette porte, ça ne me... C'est le jeu qui est en train de me dire « Eh mais tu sais ici, tu te souviens pas, il fallait bien que tu termines ce truc-là. » Putain, le cancer de ce truc-là, quand même. Je vois pas de changement depuis la dernière fois, je vois toujours ça, 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 et là, un petit peu de lumière, mais là, ça bloque, et merde, on va continuer par là. Mais c'est bien que tout soit relié, un petit raccourci. Bon alors ici. Mais non mais ils sont tordus, moi je sais pas les tordus. Je sais pas faire les tordus. Non 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 non. Non non non, le portable tu vibres pas. Ah, coffre en argent débloqué pour Clash Royale, attends. Attendez, 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 parce que y a des priorités, voilà, je suis désolé. C'est important. Bon allez, voilà. Toc. Bon, mais je sais pas faire les tordus, moi. Pourquoi vous êtes de côté les copains? Eh merde. Ah, je sais peut-être pourquoi ils sont de côté. Peut-être parce qu'ils peuvent être faits comme ça et comme ça. Peut-être, hein. C'est peut-être ça. Hein. On va tester. Où est le point de départ? Ici. D'accord. Point d'arrivée est donc là. Donc s'il peut être fait comme ça, faudrait monter. Tac, tac. 1, 3, tac. On redescend. Ensuite, on fait tout le tour. Ah, mais il y a deux points. What the fucking hell? Est-ce que si je vais dans une direction, ça le fait pour les deux? Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Du coup, comment on la joue? Est-ce que si je fais... Oh, attendez, on va... je monte encore de 1. Ensuite, je redescends tout en bas et je vais jusqu'à la fin. Ok, on va tester ça. Mais non, mais on va être niqué là. On va se croiser, non? Non! Ça ne marche pas. Non.
Testons un autre truc. On a combien? 2. Encore un. Non. Non, 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 non. Alors, on part de par là, et si on faisait... Short tag... Felindra, tête de tigre, ouvre-moi cette porte, Felindra. Mais merde. Ça donne quoi, là? Ah, ça dit que c'est pas bon, déjà. Et pourtant, les deux forment bien un truc séparé. Donc, le fait qu'ils soient de côté, ça veut pas dire qu'il peut être fait de tous les sens possibles. D'accord. D'accord. Peut-être que ça veut dire qu'il peut être fait soit comme ça. Attendez. Peut-être le fait qu'il soit de travers, ça montre juste que l'épicentre du bloc, ça va être ce bloc-là en fait. Le. Voilà, le. Le. Comment on dit. Merde. Ah, comment on dit. Je sais plus, c'est pas la racine carrée. Enfin bref, je sais plus. Ah, c'est quoi ça? L'angle droit, voilà, l'angle droit. Qui est donc là. Ça veut dire peut-être qu'il peut être soit fait comme ça, avec ces blocs là. 1, 2, les 4 là. Soit comme ça. Parce que là, ça fait un L comme ça, donc ça ferait le L comme ça. Ou soit comme ça. Un peu comme il est là. Et du coup, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire comme ça. Du coup, il faudrait qu'on parte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer. 1, 2, 3. Non. Est-ce que j'ai été trop loin? 1, 2, 3. Ah, mais non, mais de toute façon, oui. Fallait pas que je monte de 2. C'était bien ça, mais fallait pas que je monte de 2. Felindra ! Oui ! Oui, 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 oui. C'est réussi ! Bah du coup, là, ça n'a pas de sens. Du coup là ça a pas trop de sens, je sais pas trop. C'est juste... Ah peut-être qu'il peut être juste fait de ce sens là mais à l'endroit ou à l'envers, d'accord. Du coup là ça fait sens. D'accord, c'est peut-être ça la mécanique du coup du bloc penché. Bon, on avance, c'est bien. J'apprends les choses en même temps. Bonjour monsieur. Ah oui, c'est monsieur VIP. Monsieur VIP. Excusez-moi monsieur VIP. Et du coup on a allumé un truc qui mène où? Qui mène où? Parce que là, le câble bleu... Ah, mais là, c'était peut-être pas ouvert, là, en fait. Je sais pas. Mais on a allumé quoi? Est-ce que c'est là-dedans? On n'a pas été tout en haut. Vu qu'on a... J'ai peut-être fait tous les casse-têtes de... du château. Oula! Oula là! Oula là! Oh, c'est tous les casse-têtes réunis! LOL! Excellent! Wouah, ça va être énorme! Et du coup,
Voilà, easy. Du coup, comment on... Ah, faut peut-être refaire tout le chemin que j'ai fait jusqu'à une arrivée. Du coup, faudrait partir comme ça. Ensuite, c'était ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Ça, ça. Ça va être tellement long. Tic, 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 tic. Ensuite, bah, je sais plus. Faudrait que je me souvienne de tout. C'est complètement dingue s'ils essaient de me demander. Putain, va falloir tout refaire. Non! J'ai mon papier, j'ai mon crayon. Mon crayon, il est où? Non, j'ai plus mon crayon. Il est là. Ah, la caméra qui part en couille. Bon. C'est le moment de faire des jolis dessins. Alors, du coup. Alors. Ça, c'est le centre. On descend comme ça. Tac. 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 Alors, attends. Tic, 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 tic. Ensuite, ouais, donc on repart comme ça, ici, et puis après, bah, je ne sais plus, puisque, ah oui, c'était l'herbe, il faut que je descende, pour me remémorer un peu. Au pire, ce sera sûrement marqué sur les panneaux. Du coup, j'aurais même pas besoin de me faire chier à les refaire. Faut du coup que j'aille récupérer tous les panneaux de tout ce que j'ai fait. Bordel. Et si c'est la même chose pour le côté, ça devrait le faire. Ok. Bon, ça, celui-là, c'est bon. Celui-là. Qui donne un truc... Alors, comme ça, 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 comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Attendez, j'essaie de le faire, genre. Ah non, mais pas du tout, en fait. Et pas du tout dans le bon sens, en fait. Ah, c'est chiant! Ils ont prévu le coup. En fait, du coup... Ce que je viens de faire, c'est de la merde. Ou c'est comment? Ça... Mais non, c'est pas comme ça. Bah si, c'est bien ça, en fait. Je suis pas trompé. Non, bah, c'est bon, c'est bon. En fait, c'est bon, le système marche. Ensuite. On va tout droit. Putain, c'est chiant. Ça va être chiant à dessiner celui-là. Ensuite, tac. Tac. Tic, 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 tic. Faut que je mette les points de passage aussi. Sinon on va être perdu. Et donc... Putain, ça a l'air chaud. Et donc, quand on arrive, on est là. Quoi? Oh non! Je l'ai plus! Je crois que c'est un truc du genre. Droite, droite. Haut, droite, droite. Gauche. Haut, haut, gauche. Alors, attends. Tic, 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 tic. Ça. On va dire que c'était ça.
Bon, si je reprends le truc à l'envers, ça devrait donner ce que j'ai sur ma feuille, mais je suis pas sûr à 100%. On va essayer, on va faire des tests, hein, de toute façon. Je pense pas m'être gouré sur le schéma. J'ai un peu mis ma feuille dans les quatre sens possibles du monde et de la Terre. C'est bavard là. Déjà, on commence bien. Alors. Ça c'est ok. Ok. Non, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. On commence là. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Oui! Oui! First try! Oui! Oui! Il se passe des choses! Pourquoi celui-là, on s'en bat les couilles. Mais celui-là, tout est guidé en fait, donc ça va en fait. C'est tout simple, ça. Non? Non mais ça a rien à voir ce truc là en fait avec les dessins de derrière. Ça a rien à voir en fait, c'est un truc complètement annexe quoi. Bon, je pense qu'à partir de là, on va commencer à s'amuser. Genre, est-ce que je peux mettre celui-là qui est là à la droite de mon pointeur en mode bas les couilles. Ou alors me servir de lui comme ça. Comme ça. Bon, je tente un truc, hein. Non! Ça me semblait pas mal. En fait, lui, je voulais le mettre. Lui, je voulais le mettre comme ça. Lui. Comme... Ah, mais c'était un 4! Ah, je pensais que c'était un 3! Bon, attendez, on recommence. Ça se trouve, c'était ça la solution. Ah, la PLS du Picouze! Ah, mais si c'est un 4, ça passera pas en fait, mon truc. Je pense. Bon, c'est pas grave, on va réessayer. J'ai fait ça. Tac, 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 tac. Tac, tac.
Tic, 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 tic. 4. 1, 2, 3. Mais non, mais ça passera jamais si vu que c'est un 4. Et merde! Parce que là, je peux plus passer pour faire le. La pointe. La pointe! Au pire, est-ce que je peux. Peut-être une autre idée. Tout simplement faire ça pour me laisser de la marge. Non, comme ça en fait. Ça. 1, 2, 3, 4. Alors, 1. 1, 2, 3. Mais non, ça va pas le faire. Alors celui-là, si je sais pas si on peut vraiment les mettre dans tous les sens. Tu vois, je le mets en là 1, 2, 3, 4. Celui-là, là 1, 2, 3, 4. Comment je pourrais le mettre lui? Je peux le mettre dans deux sens. Ah non, mais lui il est pas penché. Du coup, je suis obligé de le mettre comme ça. Ah ouais, il y en a deux qui sont penchés, deux qui sont pas penchés. Peut-être le piège c'est juste faux. Faire ça comme ça. Ah, je vous avoue là que ça devient compliqué. Ah, ça a l'air d'être d'un compliqué de ouf là. Attends, j'aimerais beaucoup le réussir celui-ci. Bon, on verra plus tard quand j'en saurai un peu plus sur les blocs de Tetris penchés parce que je suis pas sûr à 100%. Et on risque d'y passer du temps. On a déclenché un deuxième laser, celui du château, ce qui est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Essayons de trouver d'autres zones. Il nous reste combien de temps pour l'épisode? On en a combien? Parce que je ne sais plus. On a 40 minutes. Ah bah on peut terminer l'épisode là-dessus au pire. Ou alors on essaie de se trouver un dernier casse-tête. Au pire on essaie de... On peut... Parce que oui, j'arrive pas à sortir de ce putain de château. Du coup ce qu'on peut faire c'est... Ah ouais, mais c'était là la sortie. Nier. Nier, 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 picose.
qu'on peut essayer de faire, c'est de résoudre le putain de truc que j'avais pas réussi à faire la dernière fois. Est-ce que ça a changé ou pas? Tudut. Tudut. Essayons de prendre un angle de caméra. Ça va trop vite là. Comment ça se présentait sur les autres? Les autres, ça indiquait un chemin à faire. Ça indiquait que ça, c'était ça au final. Les zones lumineuses, c'était ce qui était dans les ombres. Du coup, faut essayer de refaire la même. Hein. Où est-ce que ça, ça pourrait rentrer dans ce schéma-là? Si ça serait ici. Tac, tac. Ah mais je suis bête en fait, depuis le début ça pour moi ça fait 1 alors que ça devrait faire 2 à la base, parce que si ça c'est 1, ça c'est 2. Intéressant. Et du coup ça ferait 2 aussi. Ça aussi, ça ferait 2 alors. Et que ça qui fait 1. Ou alors, ça fait 1. Ah putain, c'est chiant de pas savoir. Putain! Trop de move speed sur ma souris. Putain. C'est incroyable que je trouve pas la solution. C'est vraiment perturbant.
la solution était toute claire, quoi. Elle était travers, certes, mais elle était toute claire. Alors que là, c'est démerde-toi, connard. Non, 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 je ne comprends pas cette énigme, non, 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 non. What the fuck, quoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourtant là, ça a l'air tellement clair les trucs d'après. Regardez, tout est bien tracé. Là aussi, on marque bien des chemins. Là, on remarque bien un chemin ici. Et celui-là, je me demande, c'est pour lequel en fait? C'est pour celui-ci ou celui donc d'où j'y arrive pas là. Alors, ce que j'ai essayé de faire là, c'est une combinaison des deux. Genre, j'ai essayé de faire ça. Ici. Après, je suis monté parce que là, c'est lumineux. Après, j'ai essayé de prendre ça, donc là. Et puis après, j'ai essayé de faire ça, 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 ça. J'essaie de le refaire. Merde alors. Pour... T'es pour qui toi? À quoi tu sers? Pour lequel? Putain, tu me mets en... Ils me mettent en stress aussi là. Là, savoir ça, ça pète pas de pâte à un canard. Je sais pas. Est-ce que ça c'est un chemin aussi? Ah là là, toujours aussi compliqué celui-là. Hein.
Ce fils de pute. Non mais c'est dingue quoi. Alors que ceux-là ils étaient tout easy. Ah, je sais pas. Tac 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 tac. Je sais pas. Je ne sais pas. Non mais ça j'ai déjà fait 100 000 fois. Le truc c'est qu'il y a des milliers de combinaisons quoi, c'est... Putain, il m'énerve celui-là, il m'énerve. Je veux me cogner la tête contre le caillou, ça m'énerve de pas comprendre, bordel de merde. Yeah, c'est pas compliqué, les chemins, on les voit, il y a ça, et il y a ça. Et ça, je pense pas que c'en soit un, ça non plus. C'est trop bizarre, ça, on est d'accord? À moins que si c'est un truc comme ça ou comme ça. Si on essaie de poser les trucs normalement. Ça, ce serait, on va dire là. Et ça. Ça serait là. Ça serait donc là. Et ça serait là. Ça serait tout lumineux. Putain, mais ça a pas de sens. Est-ce que c'en est pas ça? Ça et ça. En quoi ça m'avancerait? Tac tac. Ensuite tac 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 tac. 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 Putain. Alors j'ai essayé de faire ça. Donc ça ici. Ensuite j'ai essayé de faire celui-là. Donc tac 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 tac. Ensuite j'ai essayé de faire quoi? J'ai essayé de faire ce truc-là. Là. Ici. Donc un truc comme ça. Après la barre ici. Après ce truc-là. Et puis après terminer quoi. Mais en l'occurrence, c'est pas ça. Essayons de mettre les deux blocs bien alignés. On peut distinguer un chemin là, un chemin là, un chemin là. Peut-on distinguer d'autres chemins? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs à... Si on superpose bien les pierres... Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs, mais faut, je suis sûr, il faut juste bien superposer les pierres. C'est juste une question de superposition des pierres, mon ami. Et comment on sait comment elles sont bien mises? Quand elles sont bien mises?
Je tente des trucs, j'essaie de voir s'il n'y a pas des passages qui se forment avec tous les trucs. Ça dépend de plein de trucs, de notre angle de caméra, de l'angle des trucs. Enfin non, que de l'angle de caméra au final. C'est de la merde. Le truc, c'est que ce machin là, ça a l'air d'avoir rien à voir avec le reste. Putain! Merde quoi. Ah non, je pensais avoir vu des trucs et au final j'ai bougé et ça m'a tout déréglé ce que je pensais avoir fait. Franchement, je comprends rien. merde. Ça me saoule. Bon, vous savez quoi, on verra ça dans le prochain épisode, ça fait une heure, donc on va se quitter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, on aura quand même accompli le canon du château, et j'espère que dans le prochain épisode, on va accomplir cette putain de truc de merde, donc d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, salut tout le monde!